Voilà, je suis de retour pour une nouvelle vidéo de prank. Il y a une dame qui m'a demandé de pranker son mari. Donc, je suis avec la dame. Bonjour, madame. Bonjour. Ok. Donc, s'il y a les problèmes après, je ne veux pas le retour. Donc, c'est avec son consentement. On va appeler son mari. Voilà ça. Donc, on lance l'appel en direct. Il va pas m'apprendre. Pourquoi il ne prend pas? Et qui? Ah! Oh, mon cœur bat. Je ne vous donne pas l'histoire. Il attaque directement. Allô, monsieur? Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est monsieur... Emmanuel. C'est monsieur Emmanuel. Oui, madame. Monsieur Emmanuel, c'est grave ici là. Nous sommes à Bounamoussadi. Je vous dis que c'est grave. Votre femme est venue ici à l'hôtel avec un monsieur là. Donc apparemment c'est calé. Pas qu'apparemment, c'est calé. Donc elle a demandé qu'on vous appelle de toute urgence. La femme de qui, madame? Votre femme, non? Sandra. Je ne sais pas. Et qui est? Elle s'appelle Sandra, non? Voilà, elle est ici, donc elle est venue faire avec un monsieur, c'est calé, donc elle demande que tu la détaches, pardon, que tu viennes la détacher. Que je vienne la détacher. Oui. Ouais, papa, ne me pose pas trop de questions. Voilà, c'est pas une confusion, parce que j'ai laissé ma parole le matin quand je sortais la maison, elle m'a pas dit qu'elle allait faire tout ça. Monsieur, moi je suis la réceptionniste, j'appelle parce que tout le quartier est sorti, je ne sais pas comment faire. Donc, elle a dit que sûrement que c'est toi qui fais les remèdes pour que quand elle va te tromper, ça va caler. Elle est ici en larmes, son téléphone est même déjà éteint. Et vous voulez que je vienne là-bas, madame? Monsieur, mais venez, hein? Puisque vous pratiquez non, donc sûrement que vous avez fait quelque chose pour que quand elle va vous tromper, ça cale. Et c'est ce qui s'est passé. On a essayé de la décoller, ça ne décolle pas. Madame, je n'aime pas les blagues de mauvais coup, hein? En vrai. Monsieur, donc, monsieur, je n'ai rien à faire avec mon crédit jusqu'à ce qu'il va blaguer. Mais vous, c'est qui? Moi, je suis la réceptionniste de l'hôtel, monsieur. C'est quoi les questions? Venez seulement ici, votre femme a eu un problème. Mais je viens de faire là-bas. Je viens de faire quoi là-bas, que je viens de prendre la honte là-bas. Vous dites que tout le quartier est attentif. Ma femme se croit à l'auberge. Monsieur, ne me posez pas la question. Est-ce qu'elle connaît? Je vous connais. Ma femme se croit à l'auberge. Monsieur, est-ce qu'elle vous connaît? Mais qui lui a dit que je pouvais faire être barré? Pardon, qu'elle demande à la femme du monsieur, peut-être la femme du monsieur est allée partir. Moi, je ne peux pas faire les choses comme ça. Et en plus, je toujours crie que ma femme est fidèle. Je sors de la maison, vous me dites que ma femme est à l'auberge. Monsieur, ça ne me concerne pas. Tout ce que je veux, c'est que vous veniez ici là de toute urgence. Madame, je ne viens pas. Je ne peux même pas mettre les pieds là-bas. Monsieur, comment ça, votre femme? J'ai dit qu'on va filmer. Monsieur, je vais filmer, je vais mettre sur Facebook, hein, parce que moi, je ne sais pas comment faire. Et je vais vous appeler. Madame, je vous dis que je ne peux pas mettre ce pied là-bas, qu'elle peut défendre. Quand elle partait, elle m'a dit qu'elle partait quelque part. C'est quand c'est mauvais que vous m'appelez. Monsieur, mais vous êtes son mari, non? C'est pour le meilleur et pour le pire, non? Ah bon? Le pire de la tromperie. Depuis que tu avais une femme à la maison, on t'appelle qu'elle est à l'auberge. Vous appelez ta fille. Elle dit que toi aussi tu la trompes souvent. Elle dit que tu la trompes souvent. Qu'elle a aussi voulu faire ça. Ok, aujourd'hui on a vu qui trompe l'autre. C'est elle qui te plaît. On a vu aujourd'hui qui trompe l'autre. Monsieur, elle m'a dit que vous avez un enfant. Est-ce que vous pensez à votre enfant? Venez la décoller, pardon, monsieur. Si vous avez fait les pratiques sur elle, venez la décoller. Madame, je n'ai jamais fait les pratiques sur ma femme. Qu'elle demande à la femme du monsieur de venir. Peut-être c'est la femme du monsieur qui a dû faire les pratiques. Qu'elle demande à la femme du monsieur de venir la libérer. Moi, je n'ai jamais pensé une telle chose comme ça de ma femme. Ou bien faire une telle partie de ma femme. Hein? Déjà même, je ne sais pas si vous êtes. Parce que le message, peut-être qu'ils vont se déconnecter, ils vont faire comment là-bas. Qu'elle vient, je vais prendre ce bagage. Je vais passer, je vais mettre ce bagage. Non, monsieur, je suis avec votre femme. Je vais vous raccrocher. Non, monsieur, je suis avec votre femme. C'est elle qui m'a demandé de vous pranker. Oh, bon, il a raccroché. Pardon.
Monsieur, votre femme a demandé que vous fassiez une blague. Là, voici, ici, à côté de moi. Parle. Ouais, parle. Ouais. Ouais, chérie, je m'excuse. J'ai demandé qu'on te prenne pour voir réellement ta réaction, pour voir comment tu vas réagir. Non, attends, on coupe d'abord. On coupe d'abord.